Bonjour la VOD. On est sur une découverte d'Amanda The Adventurer pour notre soirée de l'horreur. Et allez, lance la VHS. Tout à fait, on va lancer la VHS. J'ai mis en français et tout, tout est bien. Petit coup de flottasse. Et c'est parti. On avait testé la démo, mais c'était hyper rapide. Donc j'avais même pas fait de VOD puisque franchement, en 10 minutes, c'était fait. Mais là, c'est le vrai jeu. Et en plus, il y aura du français, ce sera plus simple pour certaines énigmes, probablement. Même si je sais pas trop le gameplay, ce sera ouais, puzzle game énigme un peu glauque. C'est si bas! Je vais peut-être cette fois cacher le... vous. Cacher votre tronche. Désolée d'avance pour l'horreur que Lux va vous faire vivre. Comment ça? Je suis tellement bifou. Je dégoûte. Mais je vais cacher le chat pour plus d'immersion. Hop là. Et merci de lui avoir dit bonjour. Alors, Riley. Si tu lis ceci... Oh là, ouais. Non, je vais y rester comme ça. C'est bien, peut-être moi. Voilà, comme ça. Si tu lis ceci, c'est que tu ne me verras plus. Du moins pas avant la prochaine vie. J'aurais tant aimé pouvoir te raconter. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Et j'ai encore beaucoup à faire avant de partir. Je t'écris donc cette lettre pour te faire... Cette lettre pour te faire mes adieux, mais aussi pour t'informer que je te lègue ma maison à Kensdale. Que faire que les dieux me pardonnent si je fais une erreur en te confiant ce qui suit. Une fois que tu auras emménagé, va faire un tour au grenier et cherche une cassette. Mais surtout, prends garde. Dès que tu commenceras à la regarder, tu ne pourras plus faire marche arrière. François, tu auras mon trésor. Je serai toujours à tes côtés, ta tante Kate. Mais elle est pas sympa, la tante. Un goût de déjà-vu, oui. On aura contrôle à faire, ok. Elle est pas sympa, la tante, puisque la vidéo, c'est un traquenard. Le jeu inclut quoi? J'ai pas le temps de dire du tout. La Sensi, le jeu inclut une Sensi de merde. Voilà, vous le savez, le jeu inclut une Sensi de merde. Mais c'est encore trop, mais ce... Écoutez, on va s'accotenter. Alors, je vais mettre un petit peu plus fort aussi, pour l'immersion. Donc il y a plein de petits jouets, des trucs comme ça, dont on va avoir besoin plus tard. Je me rappelle que dans la démo, on a fait une énigme par rapport à une tarte à faire. C'était le seul truc et après c'était la fin de la démo. Du coup bah c'était assez rapide. Mais voilà, on a plein de petites interactions à faire et du coup faudra trouver les infos petit à petit. Dès le jeu. Parce que c'est un jeu, non c'est une cassette. Mais ça fait à 10 bouts le style. Ok, je vais mettre plus fort pour moi. J'espère que ça va pour vous. Ça c'est la lettre de Tata. Et ça c'est du jus. De l'eau. C'est du jus de pluie. Oh! Putain, les FPS par contre. Oh, un piano! Il y a en tout cas, c'est appuyé ici et c'est appuyé ici. Ok, je vais lancer la cassette. Je vais lancer la cassette. Juste, je regarde tout ce qu'il y a. Oh, un coffre! Oh, de la pluie. Oh, une caisse à outils. Ouais, évidemment, j'aurais dû me douter. Qu'est-ce que ça? Et là, ça explose. Bim, fin. Et là, on est trop deg. Ok, on y va,
On y va, on y va. Le thème de Fallout avec le piano. Ou alors tu mets I just want to say the word. Non, I don't want. Alors, quel est ton... De quoi? Quelle est ma tarte préférée, c'est ça? Kind of pie? Chantilly. J'écris chatilly. Elle a chatilly, quoi. Pizza ananas, je suis pas une dégène. J'aime la chatille. Hop là. Je valide comment? Contrôle, je crois. E. Chatilleux. Pourquoi tu veux pas valider? Valide, c'est bon. C'est trop chiant. Elle est folle. Ah, vous voyez rien. Pardon. Voilà. On va utiliser un couteau. Pourquoi? Ah, faut que je l'écrive bien. Good job. We can use couteau the knife. Tu peux utiliser ça par chérie? Ah, mais oui. Je crois pas qu'on doit faire ça seul. Attends. Regarde, je suis un pirate. Ah. That doesn't seem safe. Okay, Willy. Ça a l'air dangereux. Voilà. On a presque tous les ingrédients pour faire notre tarte. Il nous manque juste du sucre. C'est tu et ranger le sucre. Il est dans mes artères. Sois-tu dans le placard? Mais non, mais en plus, c'est même pas les artères, ce serait plus le gras. Alors, je dis des bêtises. Alors, eh ben, le sucre, il serait dans le placard. Youpi, on va faire une super tarte. Tu sens cette bonne odeur de pomme et de cannelle? Vous aimez bien la cannelle? Moi j'aime beaucoup. Tout d'abord, préchauffer le four à 420 degrés quoi? Tu crois que c'est une bonne idée qu'on utilise le four? C'est comme ça qu'il y a des problèmes. Je peux te le dire. Je sais pas trop. On est rien que tous les deux, Willy. 425 degrés? C'est n'importe quoi? What? 425 degrés? Ensuite on met les pommes et ensuite on met au four 40 minutes. 425 degrés. Rien, c'est essentiel dans une tarte aux pommes. J'en mets pas forcément dans la tarte aux pommes, mais j'aime bien quand on en a. Mais tout le monde n'aime pas. Manque de chantilly, sa tarte. C'est vrai qu'elle est dégueulasse sans chantilly là. Putain, chantilly. Voilà, c'est ça qu'on avait fait dans la démo. Donc on va refaire ce qu'on avait fait dans la démo, c'est-à-dire mettre la pomme dans la tarte, dans le plat tarte pour mettre au four. Arrête, tu me l'envoies dans la gueule, c'est méchant. Merde. Ah, faut que je trouve d'autres ingrédients peut-être. Et si je mets d'autres fruits? Hop là. Mais t'arrêtes de jeter ma tarte, toi! Je vais te goumer! Pourquoi il veut pas de ma tarte? Faut que je trouve d'autres ingrédients? Il me semblait que c'était ça dans la démo. Mais je peux me tromper, hein. 3h45, pas 425. Ah oui, le temps, tu as raison. C'était 40 minutes. Et oui, et oui. Et si je fais ça? Ah ouais, let's go! Comme dans la vraie vie. J'ai tartignole, préparé la tarte. J'ai eu ces tartignoles. Eh hey. Ah oui, j'avais oublié. Hi friends. Ça va, Viviane? And I'm Wooly. Je suis Amanda et je suis Willy. Amanda, qu'est-ce que tu aimes le plus? Ah non, qu'est-ce que tu aimes le plus? J'ai rien choisi. Ça me plaît aussi, il y a tout plein d'amis dans mon quartier. Aujourd'hui, je voudrais envoyer un petit quelque chose à une amie.
Je vais lui envoyer un pied dans son cul. Il faut que j'aille au magasin pour lui acheter une carte. Sais-tu où est ce magasin? La Bakery. Mais t'y bête, c'est pas le magasin, t'as. Il y a qui store dessus. J'ai pas toute la journée. Ah, je voulais la rendre énervée. Bien joué! Allons au magasin! On va choisir une carte. Mon ami m'a aidé quand j'étais triste. Quel genre de carte pourrais-je lui envoyer? Je sais pas. La fête. C'est pas son anniversaire. Super, j'ai trouvé une carte parfaite. Maintenant, on a une autre course à faire. On remercie ses amis quand ils font des choses gentilles pour nous. Je voudrais envoyer une friandise à mon ami. Peux avoir un petit quelque chose, moi, mon ami? Ah non. Peux avoir mon petit... Ah non, oui, il a pas dit mon ami. Eh ben, je vais aller à la poste. C'est super chouette d'envoyer des colis de friandises à ses amis. J'espère juste qu'elles ne rassiront pas avant qu'on arrive. Tu peux me montrer où aller? Elle s'énerve. Il y avait écrit 1 500 $ la carte, c'est vrai? Tout ça sent si bon. Faudrait acheter des biscuits à mon ami. Peux-tu me montrer où sont les biscuits? Je pense pas que ça plaira à mon ami. Bah moi ça me plairait. Je ne peux pas lui envoyer ça par la poste. Je veux le biscuit. Ah! Oh, regardez, il a tout peur. Moi aussi j'en ai un mouton. Il est là. Il va être avec nous. Ouah, ça a l'air tellement bon. Mes dernières courses à faire dans le quartier. Le colis est prêt. Elle habite assez loin, alors je dois l'envoyer par la poste. Oui, il s'est fait tard. La plupart des magasins sont fermés. On ne va pas pouvoir l'envoyer aujourd'hui, je crois. Je dois envoyer le colis à mon ami. Direction le bureau de poste. Envoyons le colis. Son nom est... Je me souviens plus. Bien m'aider. On peut revenir demain, sinon t'es pas obligé d'envoyer aujourd'hui. Je dois faire ça maintenant. Aide-moi. À qui est-ce que ce paquet doit être envoyé? À moi. Ah non, putain, ça marche pas. Moi. Non. Moi. C'est pas son nom. Mais qu'est-ce que j'en sais? À Paul. C'est important que tu connaisses son nom. Oula, elle s'énerve, Amanda. Peut-être que je quitte la vidéo. Attendez, je vais voir. Son nom, c'est Will. Ah, d'accord, peu importe où j'écris, c'est... Ok, c'est Kate. Laps. J'avoue, j'ai même pas essayé mon propre pseudo. J'espère qu'elle aime bien mes biscuits. Oh, c'est la fin. Polo quoi? Ok. Eh ben... Il faut qu'on envoie des cookies? Oh! Le piano, il est là! Un truc dessus... Non, non, je voulais pas. C'est un peu long. Arrête. Il
Faut peut-être que je réécoute la musique, mais ça va être long. Oh mince. Oh, je peux pas quitter la vidéo. That's not the store, silly. Good job. Let's go to the store. Doun, 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 ça a fait ça. My friend helped me when I was sad. What ah oui. Card should I send them? Great! I found the perfect card. Time for the next errand. When friends do nice things, it's important to thank them. I want to get my friend a special treat. Can I have a special treat? I want to get my friend a special treat. La gamine a dit Paul, non, je crois c'est moi qui dis Paul. Buy a treat for my friend. Mais oui. Tiens. Good job. Let's go get that treat. Ah désolé pour le PTSD Ostrek. Everything smells so good. Those look so tasty. Great work! Now we can send this to my friend. I hope she likes the cookies. Ça va être compliqué, des cookies. Est-ce qu'il y aura un truc avec des cookies? Ou un colis à ouvrir? Peut-être que c'est nous, Kate. Ça faisait un peu de la musique, mais bon. Ça va être compliqué. Et je veux pas écrire Kate avec les trucs. C'était peut-être à la fin. Une partie de la solution était derrière la cam. Comment ça? La lettre. Hi friends, I'm Amanda. Ah, CBF. What do you like best about your neighbor? Ah, c'est ça. Parce que je peux pas quitter sinon. C'est trop chiant. Those look so tasty. No, that's not my friend's name. Allez, on va y arriver. Je suis en QWERTY. CBD, c'était ça? Merde. CBF. CDF, CBF. Voilà. Hey. Oh, it's you. Oh, le bébou. Whatever you do, don't. Could you fast it? Oh no! Oh no! Lily had an accident. Là, t'as eu un accident. Accident is when un accident, c'est quand quelque chose d'assez grave arrive, mais que ce n'est la faute de personne. Tu peux avoir un accident à la maison, à l'école, quand tu joues au parc. Tu peux te faire mal à peu près n'importe où. À 15h45, Pelote a trébuché pendant qu'on jouait et il est tombé. Je n'ai pas. Où Pelote a-t-il mal d'après toi? Au genou. C'est ça, Pelote s'est fait mal au genou, j'imagine. Quel genre de personne peut soigner ça? Un médecin. Super. Ah, c'est pas médecin. Un docteur. Bah non, ce sera pas ça. Un boucher. Non, c'est pas ça.
Un genou log. Let's go, genou log. Je ne pense pas que cette personne puisse nous aider. Mais il n'y a pas la place. Quel genre de personne peut nous aider? Un bûcheron. Don't you want to help Wooly? Tu ne veux pas aider Pelote? Mais j'en sais rien, je sais pas, ça rentre pas. Medicine. Ça marche pas, médecin. En plus, c'est les mots en français. Un druide, un serial killer. Ah, bah attends! Amanda? Non, je sais pas. La médecine. Qu'est-ce que tu fais là? Pas tout à fait, mais tu y es presque. Tu me fais perdre mon temps et ma patience. Ok, Gollum. Mais j'ai mis docteur. Ah bah non, j'avais pas mis. Pardon, je croyais que j'avais mis. Excusez-moi. Excusez-moi, je croyais que j'avais mis. Je suis désolée. Dans quelle salle pourrait-on trouver un docteur? Dans ton cul. Ici. Ah, et là, il est quelle heure? Attendez, faut noter ça. Mince. Pas du tout la bonne scène. Merde. Tout va bien. Je voulais juste faire apparaître ma cam. Attendez, je note. J'ai mon petit truc. Je vais noter. Tout à l'heure, elle a dit 15h45. Et là, il est 18h20. Alors, 15h45. 18h20. Voilà. Besoin de méchoui. Et salut, Morfufu. Bah oui, faudrait plusieurs le veto, hein, je suis d'accord. I don't think that je ne pense pas que ce docteur puisse aider Pelote. Pelote a vraiment très très mal. Viens, on va réparer Pelote. Amanda, this really hurts. J'ai vraiment mal. Où est le docteur? Docteur n'est pas là pour l'instant. Essayons d'aider Pelote par nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous permettra d'examiner sa blessure? Le moniteur cardiaque, l'appareil de radiographie ou la balance? Le moniteur cardiaque. Ça n'aiderait pas Pelote. Oh, il y a le cœur là. La balance. J'ai peur. 22h. Attendez, là il y a 22h50. Attendez, je note. Voilà. Bah, c'est le mouton log. J'ai mis genou log, déjà. C'est ça! Comme on va pouvoir voir les os de Pelote. Comme ça, on va pouvoir voir les os de Pelote. Ok. Follow us to fun. Tout à fait. Alors, 15h45, c'était là. Oh, c'est trop chiant. Je vais remettre comme c'était. Ok, là, 15h45. Au début... Ah, mais là, il y a une horloge. Du coup, je vais déjà mettre 15h45. Let's go!
Ensuite, il y avait 18h20. Donc je pense qu'il faut que je trouve... Oh ! Il y a une horloge là, mais il y a aussi une horloge là. Oh ! Ah merde ! Elle ressemble à ça, hein. C'est celle du médecin. 18h20, du coup. Il y avait moyen d'être plus rapide, en fait, hein. Voilà. Et du coup, l'autre... Le dernier, c'était comme ça, c'était affiché comme ça. Donc c'est 22h50. Merde. C'était quoi déjà? 22h. Bah du coup, faut que je fasse 10. Je peux pas faire 22. Ah mais c'est AM, APM, pardon. Voilà, c'était PM, j'avais pas vu. Let's go. Et du coup... 5h15. Est-ce qu'il faut pas le mettre là? Je sais pas, hein, je me dis c'est la suite logique peut-être bien. Ah mais il y a qu'une horloge, j'avais pas vu. Bah non, pas trop alors. Qu'une horloge et qu'une aiguille. Bah du coup... Ah, je peux plus du tout interagir avec. Ok. Faut peut-être trouver la dernière aiguille, du coup. Mystère, mais nous n'avons. Après, ça me donne un chiffre, mais c'est peut-être une combinaison. 0515, genre là. Je sais pas. Hein. Parce qu'on dirait le symbole de je sais pas, d'un colis. Il y avait un autre. Je ne sais plus où. Erk. Ah mais c'est pas un petit coffre fort. Ici. La caisse out. C'est en rouge. Ah mais c'est des lettres, pas des chiffres. Bon. Bah ça, il faut que je trouve l'aiguille, il faut peut-être que je remette la vidéo, hein. Peut-être voir ça, moi. Ou alors, ça me dit le 5-0-15. Le 5-15, genre faut que je trouve le colis qui correspond. J'ai pas l'impression que je puisse interagir avec le moindre truc en vrai. Dans les colis en tout cas. Ah, tic tac. Oh, elle est là l'aiguille. Ok, j'avais une bonne intuition. Ok. Laquelle est laquelle? Elles ont la même taille? Non.
Ça, c'est 15, du coup. Professionnel. Morsu. Aiguille, botte de foin dans le moulin. Timothée Chalamet. C'est QFD. Merci beaucoup. Qui a soufflé la réponse? Bah là, il y avait personne qui savait. Enfin, je crois. Bonne nuit, Carantia, des bisous. Bruit de pas. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. It's such a nice day. Je suis Wooly. C'est une belle journée pour un pique-nique. Qu'est-ce que tu aimes le plus manger à un pique-nique? Les gâteaux. Moi, j'aime pas ça du tout. Comment ça? Très beau noyau, Lox. Amanda, quelle est cette odeur? Merci. J'avais sorti ça de ma vie. Je sais pas, Pelote. Tu as raison, ça sent mauvais. D'après toi, d'où peut provenir cette mauvaise odeur? De toi. De toi. Bon, bah, je peux pas sélectionner les gamins. Les buissons, il y a un caca. C'est quoi ça? Mais tu as raison! Ah! Sans doute, sont mauvais parce qu'il est pourri! Ah, mais c'est dégueulasse! Ce tronc d'arbre aussi est pourri! Est-ce que tu sais pourquoi? Quand une chose n'est plus vivante, elle pourrit! Connais-tu le contraire de vivant? Tu veux voir si elle s'énerve? Si je mets par exemple bébé. Regarde la souche d'arbre! Si c'est pas quelque chose de vivant, faut faire plaisir à Hanté. Je ne crois pas que nous devrions aborder ce sujet. Mince. C'est quelque chose qui te fait peur? Non. Ah, mais mince, j'ai pas pu! Le tronc d'arbre est mort! Le contraire de vivant, c'est mort! Bien joué! Mince, attendez, je voulais faire genre... Une plante peut mourir, j'y arrivais pas. Concentrons-nous sur le pique-nique, hein, voilà, bon tant pis. Ah! Les animaux peuvent mourir, c'est ça qu'elle dit? Regarde pauvre monsieur renard, il est mort et il est tout pourri! D'après toi, qu'est-ce qui a pu le tuer? C'est bête aussi, ce couteau ou ce buisson? Ah non, ce flingue. Ah oui, d'accord, flingue, couteau. Je veux dire buisson. Je ne pense pas que ce soit ça. Ah ouais, elle. Oh, oh la tête. Moi, je vais mettre le flingue. Ce n'est pas ça. Regarde sa petite langue. Il est un peu bébête. Qu'est-ce qu'il a tué? Ce serait chouette s'il pouvait nous le dire. Monsieur Renard? Qu'est-ce qui vous a tué? C'est ça qu'elle a dit? Attendez, attendez. Je cherche une... Peut-être une voix... Oh. À la limite, elle devrait faire cette voix, elle. Mais bon, c'est chiant à faire. Ok. C'est à cause du piège à ours tout moche. Monsieur Renard n'a même pas vu son heure arriver. Ça, c'est horrible. On est allé trop loin, Amanda. J'aime pas ça. On a découvert beaucoup de choses aujourd'hui. Un sandwich pourri, un tronc d'arbre pourri, et Monsieur Renard tout nul et tout pourri. J'aime bien Amanda. Parfois, je sens que moi aussi, je pourris. Mais ça semble si loin. Il n'y a rien de pourri ici, Amanda. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que tout pourrit? Bien sûr que non, Amanda. C'est pas toi que je demande. Réponds à ma question. Rien n'est obligé à répondre à ça. Attendez. Compliqué. Oui. C'est ça qui me fait peur. Politique, c'est tout pourri. Oh.
bestiole. Débloquer une fin violente. Oh merde, j'ai une fin, j'ai une mauvaise fin. Mais ça dégoûte. J'ai eu la mauvaise fin. Ah, j'aurais dû être plus enthousiaste. Bon, je vais arrêter la VOD là au moins pour cette fin là. Il y a combien ce jeu? Je sais pas. Mais il y a plein de... Je pense qu'il y a pas mal de fins. Parce que les gens, ils ont pas joué... The End. Mais il y a... C'est une fin, oh là là. Des bisous à la VOD.